Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, deuxième partie de la sortie à Verrières. Mais je voulais commencer par vous dire un grand merci déjà à tous ceux qui regardent. Donc là, si toi, tu es là, là, tu es là. merci. Et puis un merci supplémentaire aussi à tous ceux qui mettent des petits commentaires sur les vidéos, des petits pouces bleus. J'avoue, je le demande jamais, mais ça fait vraiment plaisir. Ça motive à continuer. Donc je vous dis merci et puis ben si vous n'avez pas vu la première partie, ce sera là ou là, je sais jamais, là, quelque part. Et puis pour ceux qui l'ont déjà vu ou même si vous voulez pas voir la première partie, et ben je vous dis la suite c'est maintenant. C'est parti. Here we go! Ça montait. Je sais pas si vous allez voir, mais là. À mon avis, ça va finir à pied. Avec un terrain comme ça, qui glisse à mort, avec les feuilles, les racines, les cailloux. Ah. Bon, ben voilà, j'avais dit. Ah. On voit pas la caméra, je suis sûr. Mais moi, je le sais. Vous voyez que ça monte? Je suis allongé sur le vélo pour grimper. C'est de pire en pire. Comme quoi ça monte, hein. Aussi dans ce sens-là, j'en avais pas de doute, mais on se souvient vraiment des moments durs, hein, et moins des moments rigolos. Normalement, il n'y a pas une descente aussi là dans les cailloux. Il semble, hein. Ah, on se refroidit vite, n'empêche avec. Alors. Ça serait pas à droite? Si, si, c'est à droite. Bon, bah alors, elle. Je m'en souviens. À cause des pierres que j'ai galéré à monter. La fois dernière. Ouais, c'est bien elle. Ouh. Il y a de la caillasse là-dessous. Je comprends pourquoi j'avais galéré à la montée, hein. C'est qu'elle prend un peu de temps. Hop là. Bon, bah maintenant il va falloir que je regrette toute cette descente. Automatiquement, hein. Ah, je suis cuit. Bon bah, contrairement à ce que je pensais, ça monte plus dans ce sens-là que dans l'autre. Comment ça, c'est pas possible? C'est là? Non, c'est pas là. Chier. Ah ouais, il est là le chantier. J'appelle ça le chantier parce que il n'y a même plus de traces. C'est quoi ça? Oh là là. Où est-ce que je m'embarque quoi? Aïe, les ronces. C'est une très mauvaise idée. Extrêmement mauvaise idée. C'est un chandron ce truc. Bon, ça sent l'ennemi tout. Allez, on va essayer de rattraper.
le sentier. Oui, ça va le faire en passant là. Voilà. Ah, faut utiliser un peu son sens d'orientation et pas que se fier au GPS, hein, des fois. Alors, elle est où cette descente? C'est ici. Là, ça monte. C'est à droite, là. Non, ça monte, en fait. C'est après. J'ai tellement impatient d'avoir cette descente. Je vais être déçu. Bonjour. Bonjour. Oui, elle était encore loin, en fait, hein. Pas là. Ah. Ça glisse. Et voilà la fameuse descente. Et on va y aller mollo. Oh ben ça passe plus en plus. Ça. Et voilà la gadoue, la gadoue. J'aime pas les ponts comme ça en bois mouillé. Et boueux. Et ça remonte. Ouh, en fait, je me suis trompé dans mes souvenirs. En fait, je crois que c'est ça là, la descente. La dernière. Ouais. Et celle-là. Allez, on lâche les freins. Oh là là, les ornières. Oh purée. Ouh. En fait, glissant c'est dangereux. Bon, en tout cas, c'est toujours aussi humide avec cette brume qu'il y a tous les jours, puis des lustres là. Comme il gèle pas encore, ou alors ça gèle un peu, mais ça a déjà été direct. On se retrouve avec des coins en bouillasse. C'est l'automne, c'est l'automne. Voilà. Sont vraiment difficiles à retrouver là, comme la fois dernière avec les feuilles. Pourtant il y a l'air d'avoir du passage, mais peut-être pas partout, hein. C'est tellement grand, il y a d'autres chemins à faire, faudrait que je regarde ça. Mais faire un chemin ici avec une vue du ciel, étant donné le dénivelé, c'est assez périlleux parce qu'on peut se retrouver très bien dans des montées infaisables.
et des descentes toutes pourries. Bon, il n'y a aucune descente qui est pourrie, mais si c'est pour galérer à passer son temps à marcher à côté du vélo parce que ça monte trop, c'est pas rigolo. Alors, il y a partout des sentiers en plus. Hop là. Je dirais que c'est là. C'est là. Bon bah ça monte quand même, hein. Il y en a partout. Je sais même pas lequel emprunter. Ah, c'est vraiment beau, hein. Pas à dire. Hop, 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 c'était pas là. Vous voyez comment trouver le sentier? Il n'y a rien de balisé. Apparemment, c'est là. Ah oui, ici, on voit qu'il y a du passage. On ne sait pas si ça part à gauche ou à droite. Alors c'est sûr que l'été on y roule plus vite parce que on cherche pas la route, on suit. Là, même en balayant tout le trajet du regard, parfois on se trompe quand même. J'ai voulu mettre une racine. Mauvaise trajectoire du coup. Je longe le TGV ici. Vous étonnez pas si vous entendez un grand bruit. Bon bah contrairement à ce que je pensais. Je pensais que ça montait plus dans l'autre sens. En fait, ça monte plus dans ce sens-là. Non, mais ça monte pareil. C'est juste que c'est une forêt exigeante qui a de belles descentes. Mais on se souvient que des énormes montées qu'on vient de se taper. Et puis quand on est dans les descentes, dans l'autre sens, on se dit ah oui, je me souviens de cette montée. Mais on se souvient pas de la descente. Mais bon, c'est pour ça qu'on fait du vélo aussi, pour se dépasser, pour galérer, pour le cardio, pour tout ce qu'on veut. Voilà, mais bah, je vous dis bon week-end et puis à la prochaine. Ciao.